Oui, bonjour Franck. Comment Je suis ça très va, heureuse Patricia? de Ben, moi pouvoir te aussi. parler. Ben, moi aussi, moi aussi. Oui. J'aimerais savoir quel est ton âge, ta situation et comment je peux t'aider. Alors voilà, j'ai bientôt 65 ans. Oui. Je suis à la retraite. J'ai travaillé 10 ans comme hôtesse de l'air et 14 ans comme bibliothécaire. Et entre deux, j'ai élevé mes enfants pendant plus de 20 ans. Voilà, donc je n'ai pas une grosse Wow. retraite. En revanche, j'ai un divorce, j'ai pas choisi, mais donc mon mari est parti au bout de 34 ans, donc bon, ça c'est une chose. Nous avons récupéré la vente de la maison, chacun a eu de l'argent, et donc j'ai investi dans un appartement. Donc aujourd'hui, ma question c'est de savoir, est-ce que je revends pour pouvoir acheter soit une petite maison, pas très grande parce que j'aime les jardins et tout, comme j'avais avant, et la somme que je récupérerai, puisqu'en fait je racheterai moins cher, est-ce que je la place à nouveau dans une assurance vie ou est-ce que j'achète un autre petit appartement pour bénéficier donc chaque mois d'une petite rente, voilà. La première des choses, c'est est-ce que tu veux rester seul? Non, je ne veux pas Ok, rester tu ne veux seule. pas rester seul, d'accord. Et aujourd'hui, peut-être je peux retrouver quelqu'un qui sera aussi bien, mais peut-être même encore mieux. Oui. Mais j'ai peur. C'est vrai que ça, c'est pareil. Ah, ok. Ah. Ah, on y arrive, on y arrive. Oui. Voilà. Quand on a 65 ans, et qu'on pense que l'on peut vivre avec quelqu'un, mais qu'on a peur encore de souffrir ou d'être à de nouveau laissé de côté, il faut travailler sur ce point-là. C'est très important. Pourquoi? Quelqu'un qui me dit, je veux rester seul toute ma vie, je ne veux pas entendre parler d'un homme ou d'une femme, du même sexe ou du sexe opposé, fine, c'est très sûr. Mais ce n'est pas du tout ce que j'entends avec Patricia. J'entends la peur, la crainte d'être lâché à nouveau. Mais quand on a l'opportunité de pouvoir encore être capable de donner de l'amour et de recevoir de l'amour à 65 ans, c'est préférable. Le C'est bonheur vrai. est dans la vie de couple. Il faut faire une priorité du fait de ne pas rester seul. Il faut faire une priorité d'être en santé. Mais la santé mentale, les gens qui vivent le plus longtemps sont en couple ou ont de bonnes relations avec les autres. Je vais te répondre pour ton appartement, mais ça va prendre 30 secondes. Mais il faut Oui. que tu digères cette pilule, Patricia. Il faut que tu cesses de passer trop de temps à regarder le rétroviseur, parce qu'il est minuscule, le rétroviseur. Ta vie future à 65 ans, la magnifique vie que tu vas choisir, elle se passe dans le pare-brise de l'avant, pas dans le rétroviseur. Le rétroviseur va t'offrir très peu de bonheur et de perspectives pour l'avenir. Donc tu es au volant de ta voiture et c'est toi qui pilotes. Il n'y a pas de passager pour l'instant. Tu es une femme qui est aimante, qui peut donner aux autres. Quand un homme se barre, il y a des raisons pour toi, il y a des raisons pour lui, et c'est la fin de la vie. Et peut-être que, enfin, c'est la fin de la relation, mais pas la fin de la vie. Mais bien souvent, on pense justement, c'est un lapsus, que c'est la fin de la vie. C'est pas vrai. C'est un renouveau dans ta vie. Tu n'as jamais été aussi belle, aussi riche, avec un passé aussi fort, avec une expertise dans les relations et dans la capacité de voir ce qu'il faut faire avec un homme et ne pas faire avec un homme, faire avec toi et ne pas faire avec toi-même. Tu es la plus belle personne et la plus belle fleur à 65 ans que tu es qu'à l'âge de 30 ans. Ça, tu dois le voir. Et la deuxième des choses, en voyant cela, tu vas cesser d'avoir peur. Ne laisse pas ta peur choisir à ta place. Parce qu'elle gagnera toujours et elle va t'amener dans des rues que tu regretteras toujours. Accepte de laisser ressortir cette gamine que j'entends qui est en toi. D'accord. D'accord? Et maintenant, je vais répondre à ta question sur l'immobilier. Je te Oui. recommande ceci, c'est de vendre tous tes biens et de ne pas être propriétaire et d'être en location. Pour avoir une flexibilité de mouvement dans ta vie. Tu as besoin de mouvement. Tu as besoin de bouger là où tu veux. Et l'argent que tu vas avoir, de le placer au maximum, dans un maximum de biens à acheter. Idéalement, un petit immeuble, mais si tu ne peux pas, plusieurs petits appartements. C'est certain que si tu avais un homme à tes côtés, ce serait beaucoup moins délicat d'investir maintenant à 65 ans. Donc, je dirais que d'immobiliser de l'argent, là où tu vis, c'est dommage, parce que c'est de l'argent, il faut bien que tu te loges quelque part, et c'est de l'argent qui ne travaille pas. C'est bien dommage. Il vaut mieux payer un loyer un peu plus cher et d'avoir 2, 3, 4, 5 appartements, et là tu tires des loyers.
C'est bien, bien plus préférable. Je recommande aussi, quand on achète un appartement, d'avoir un apport de... J'aime bien, à 65 ans, qu'il y ait un apport de 30%. Ce qui va te permettre d'équilibrer ou de dépasser chaque mois le crédit que tu payes par rapport au loyer que tu vas avoir. Il est temps que tu serres la ceinture sur le plan du lieu où tu habites et d'être locataire et tout ton argent de le placer dans l'immobilier. De placer ton argent dans l'immobilier.